amène de bonnes choses. Alors, dans le domaine scientifique, les intentions ne suffisent pas. Premièrement, ce n'est pas une question d'intention. Revenons à la base de la chose. Si je veux créer, oui, il y a des personnes qui ont du cœur, mais qui sont scientifiques. Parce que leur langage n'est pas facile pour moi, parce qu'ils ne me dessinent pas la vie en rose, parce qu'ils ne me font pas, ils ne me caressent pas dans le sens du poil. Le développement personnel réussit parce qu'il caresse dans le sens du poil. Il réussit parce qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Et donc un langage scientifique ne s'adressera jamais à vous de cette façon. Ce n'est pas possible. Donc il y a des gens qui ont du cœur, mais qui sont de vrais scientifiques. Alors tout ce qui est production, qui se prétend scientifique, si elle n'est pas passée par un circuit de validation scientifique, les revues, les colloques, etc., il ne faut pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce que moi, vous, l'autre, on ne peut pas, on n'est pas outillé pour choisir, tout simplement, pour choisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Je ne vais pas m'immerger un âge, je ne vais pas aller dans les livres de développement personnel et dire je vais choisir à partir du développement personnel, parce que je n'en sais rien, je ne suis pas spécialisé. Et comme je ne suis pas spécialisé, je parle de moi-même, le seul recours que je peux avoir, c'est d'aller vers les revues, c'est de vérifier est-ce que le discours qui est produit a été validé, est-ce que c'est un discours scientifique, est-ce qu'il y a des articles scientifiques. Si je trouve un article scientifique, ça veut dire que je peux déjà commencer à lire la chose. Adhérer ou pas, adhérer, c'est une autre histoire. Mais déjà, on a affaire à une production scientifique. Est-ce que je peux rajouter une Allez-y. petite question? Qu'est-ce que vous Pardon. pensez des psychologues qui sont aussi coachs de vie? Ça existe en France. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, chef, je pense que, en parlant de la France, ce n'est pas moi qui vais analyser la France parce que ce n'est pas un contexte que je connais. D'accord? Mais d'après les livres que j'ai lus, par exemple Robert Ebguy, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Je hais le développement personnel, il n'a pas hésité à dire que si les coachs vont, si les psychologues vont vers le coaching, c'est parce que c'est pour se donner une nouvelle image plus commercialisable. Plus positive aussi. D'accord? Il les traite de malhonnêtes. Ouah, ça, c'est pas moi qui le dis, je connais pas le contexte. Ici en Algérie, je pense que le problème, c'est que il pense vraiment que le coaching est plus efficace que la psychologie. Il le croit. Ça veut dire que sur le plan épistémologique, ils n'ont pas cette immunité épistémologique. Eh, un psychologue qui se rabaisse à la pseudoscience. Eh, un scientifique, il habite la pseudoscience. Eh, il sait, ah, comment on peut troquer son titre de docteur contre celui de coach. Il y en a qui le font, vous le savez. Docteur, flana, coach. Et c'est le titre de coach qui lui ramène le plus de public, bien sûr. Ce n'est pas le titre de docteur. Donc, pour moi, c'est troquer vraiment la reconnaissance académique, le statut scientifique contre la reconnaissance marketing et un statut de charlatan.